bien bonjour à tous, bienvenue sur Guitare classique de concert. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle guitare qui nous vient d'Allemagne, plus précisément de Mayence. Elle est fabriquée par Bogusław Terix, c'est un luthier d'origine polonaise, établi en Allemagne depuis 1982. Il fabrique des guitares de conception plutôt moderne, hein, et c'est un mélange des deux designs que nous affectionnons le plus, c'est-à-dire la double table et le lattice. Il a fabriqué des guitares pour Marcin Dila, qui est un guitariste extraordinaire, qui a fait la popularité de Terix au tout début. Cette guitare est le dernier modèle fabriqué par Terix. C'est une double table avec du cèdre, un cèdre très serré avec un très beau grain. Le chevalet comporte lui double trou. Il est travaillé, alors il y a sur toute l'étendue de cet instrument, il y a des finitions tout à fait extraordinaires avec des tirs à pelle un peu partout. Le sillet du chevalet, je ne sais pas si on peut arriver à voir, il est creusé avec des petites vaguelettes dans le genre de Smallman, mais avec une interprétation personnelle quand même. Alors, pour la petite histoire, les petites vagues qui sont creusées entre les cordes, c'est pour alléger le sillet et ça donne plus de flexibilité aussi au chevalet sur la table. Et ça donnerait du moelleux, un léger moelleux supplémentaire au son. Pour la petite histoire. Donc, double table. Mais cette double table comporte un barrage, un léger barrage en lattice. Donc on a les deux effets du double table et lattice. Une magnifique rosette très, très discrète mais assez classe. Un renfort à l'intérieur du chevalet pour les cordes. On ne le verra pas, mais peut-être sur certaines photos, on pourra voir l'intérieur ici, un petit bloc en os. Alors, un truc qui est super confortable, c'est sur les éclisses ici, tout est arrondi. C'est travaillé de manière à ce qu'on se sent vraiment. C'est pas nous qui enveloppons la guitare, c'est la guitare qui vous enveloppe. C'est incroyable. Ensuite, on a. Alors là, ici, je sens un truc. Il y a une petite décoration ici. Qui vient faire un rappel ici, qui est un peu le même motif qu'il y a sur le chevalet. Les côtés et le dos sont en ébène de macassar, c'est sublime. Alors, multicouche, comme sur une lattice australienne, avec un dos qui est légèrement bombé dans le style tout à fait australien. Avec en plus ici une finition, un truc qui vient par-dessus. De ce côté-ci, le talon, il y a aussi une incrustation qui vient sur le dos. Ouais, il a dû passer un temps incroyable pour faire des finitions pareilles. La tête, elle aussi, elle a un autre plaquage à l'arrière avec tout est taillé en arrondi partout. Il n'y a aucun angle. C'est incroyable. Mécanique Goto. La tête très ramassée, assez vidée d'ailleurs à l'intérieur. Donc, très peu de bois, c'est très léger. Ça donne un côté un peu une tête de compétition et un peu course. C'est beau, c'est très très beau. À chaque fois que je regarde, je vois un détail supplémentaire, donc je ne vais pas pouvoir tous vous les donner. Ici, il y a encore du travail. Il y en a trop. Encore ici, là, j'ai une sorte de chose qui rentre à l'intérieur. Je ne peux pas tout expliquer, c'est assez complexe. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail de finition. Un manche super agréable à jouer. Alors, c'est à la fois plat mais légèrement arrondi. C'est plat au milieu, ici, là. Mais c'est arrondi tout autour. Il y a un renfort au milieu. La touche est légèrement surélevée. Pas tant que ça, mais juste ce qu'il faut pour que ce soit hyper confort. C'est assez bas. C'est plutôt très bas même. Et on
on ne fait aucun effort lorsqu'on joue sur cet instrument. C'est assez incroyable. La guitare pèse un tout petit peu. Il y a quand même pas tout à fait légère. Elle rappelle un peu certaines guitares australiennes. Alors, on va écouter un peu chaque corde et chaque case pour voir un peu la personnalité. Sixième corde, mi grave. C'est assez naturel, c'est assez gros. Assez naturel, il n'y a pas de côté nasal. Une belle sixième corde assez profonde, assez ronde. Avec des notes assez plutôt longues, hein, un beau sustain. Un bon vibrato aussi. Cinquième corde. Cinquième corde tout de suite un peu plus ouverte. Avec pas mal de rondeur. Pareil, sustain et tout. Corde de ré. De folie, une toute petite couleur typique de la double table sur la corde de ré surtout. En fait, qui donne un peu d'épaisseur à la corde de ré. Troisième corde, sol. Ah ouais, là, on retrouve la double table aussi avec ce côté un peu crémeux de la troisième corde. J'ai étouffé les autres cordes, mais quand je vais les relâcher, donc il n'y a pas énormément d'harmoniques, juste un peu qui se révèle lorsqu'il y a un peu de vibrato. C'est assez typique de la double table allemande. Voilà, là on a une particularité qui est commune. On entend surtout la note fondamentale. Deuxième corde. Un peu le même phénomène. Une note qui sort assez, qui est assez directe. On a le côté latisse avec des notes qui sont amorties et qui durent. Donc on n'a pas l'agressivité d'une attaque trop importante. Par contre, la note est immédiate de la double table et on a la tenue du latisse, ce qui donne du sustain. Ouais, c'est très 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 intéressant. Première corde. Les trois aigus fonctionnent de la même manière.
C'est étonnant parce que ça donne un côté assez transparent, mais je reste convaincu. On a le côté double table avec le côté immédiat, et on a le côté avec le lattice, on a la note qui est légèrement amortie et qui gagne en sustain. Souvent sur une double table assez dynamique, on va avoir une grosse attaque et très peu de sustain, des notes assez courtes. Mais le même phénomène avec une note assez présente et des harmoniques juste en retrait pour soutenir. Si je fais une mélodie dans les basses, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de résonance quand on joue, les notes restent. Et du coup, on est enveloppé par le son et les notes, les cordes graves, elles viennent vraiment asseoir toutes les fondations pour la mélodie ou les notes qui vont être jouées dans les aigus. Donc là, maintenant, si je fais la mélodie dans les aigus. C'est un instrument qui a énormément de qualité musicale parce que lorsqu'on effleure les cordes, il y a toujours cette impression de petite vague et le son qui repart, qui remonte un petit peu. On a vraiment une impression de modernité sonore avec une magnifique précision. C'est très défini, les notes sont pleines, les possibilités sont immenses. Je ne connais pas vraiment cette guitare assez. Et je sens que plus on la joue, plus on la découvre. Et l'heureux propriétaire de cet instrument va vraiment passer des heures incroyables de musicalité et de découverte. Eh bien, merci à tous et n'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne YouTube. À très bientôt.